ne fais pas attention au public. Je connais des types qui perdent leurs moyens quand ils se laissent impressionner par le public. C'est pas moi. Il a eu une mauvaise garde à droite, alors tu n'as qu'à lui coller un bon vieux crochet au foie et t'es sûr d'avoir. C'est. T'as compris? Tu peux le démolir. Ouais, si. Non. Rico. Attends, reviens. Rico! Machine à frapper. Je crois n'avoir jamais vu un pareil phénomène en plus de 20 ans de carrière. Il est cruel et sans merci. C'est un vrai barbare. Du calme, petit. T'as vu cette route? Un jour, il y aurait ça pour moi. Commence par descendre ton premier adversaire. Je l'ai eu! Ça va être à moi, hein? Oui, oui. Je déclare vainqueur par chaos technique à l'issue du cinquième round, l'homme qui conserve son titre de champion du monde, Tommy Tiger Manor! Je vais laisser la parole à Frocking Hall, l'organisateur de ce combat. Tout ce que je peux dire, c'est que c'était un beau combat. Tiger, toutes mes félicitations, c'est une magnifique victoire. Mais avouez qu'il était coriace. Mais c'est moi le champion et je laisserai personne me prendre la place. Je vous fais confiance. Il y avait ta peau, il était les jours, il y en avait. Ah, laisse tomber, Tiger. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Frank Ingall. Doucement, chéri. Tu sais, personne ne le battra. Personne. Personne ne peut le battre. Tu voudrais lui parler? Et non, mais c'était pour savoir. Ne pense pas à ça, ça te déconcentre. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit. En état, me fais pas. Et maintenant, pour terminer cette soirée de championnat, nous vous proposons d'assister à un match en 6 reprises. Avec, pour la première fois dans une salle new-yorkaise, à ma gauche, dans la catégorie poids moyen, un jeune boxeur originaire du Sud-Bronx qui n'a encore jamais combattu en public, Ricardo Gomez. À ma droite, également pour la première fois à New York, dans la catégorie poids moyen, un boxeur originaire de Bayonne, New Jersey, Leroy Thompson. Jette un coup d'œil sur ce petit gars. Il est bien, tu le trouves. Non, c'est un ringard. N plus. Non. Bonsoir. Regarde, bonsoir. Franck. Il boxe bien. Dans la mâchoire, vous avez vu ça? Ça est!
8, 9, oh, c'est bien, tu t'es pas trop mal défendu. Pas mal pour un coup d'ECM. Oui, oui, il n'a même pas tenu jusqu'à la fin. Tu l'as vraiment démoli. C'est... Tu t'es bien battu, Rico. C'est... Hey, champion, réveille-toi. Ton petit déjeuner est prêt. Allez, secoue-toi. Ton frère est parti, ta sœur est à l'école et moi, je suis en retard. Tu dors comme un bébé. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? On t'a dit qu'il y avait gagné? Oui, les voisins m'en ont parlé. Les bacris, les bottes des gars. Et Hortense, Rico a gagné le match. Et moi, je me retrouve avec un champion qui n'a que 50 dollars dans sa poche. Je t'en ai pris 20. Tiens, habille-toi et viens vite à table. Les œufs vont refroidir. Les œufs? Bientôt, on aura les filets mignons tous les repas. Ah oui? Quand? Plus vite qu'Étienne passe. J'ai pas payé le loyer, le propriétaire va pas tarder à nous expulser. Et tu viens me parler de filets mignons. Alors, Tassia, ne t'en fais pas, il y a trop vrai cet argent. Ouais, mais commence donc par t'essuyer. Tu sais, Nat dit que, qu'on va me proposer plein de combats. Je me suis pas battu pour rien la nuit dernière. C'est ma première victoire. Et combien ça t'a rapporté? Juste quelques dollars, mais ça va marcher, il est faux. Tu vas avoir plein de nouveaux sabits, des chaussures, et je te promets que tu auras des bas de soie. Pour aller travailler, je n'ai pas besoin de tout ça. Ça serait bête de refuser, Hortensia, parce que j'ai fait ça de bon cœur. De bon cœur, hein? Mais pourquoi tu me réponds comme ça? On m'a dit que tu avais gagné beaucoup plus que les petits billets que j'ai trouvés dans ta poche. Ma réponse a été d'être payée, et Nat m'a aidé pendant plus d'un an. Et moi, j'ai fait que ça toute ma vie. Quand j'avais ton âge, j'étais déjà enceinte. Et personne ne m'a jamais aidée. Je t'ai toujours eu sur le dos. Champion de mes fesses. Tu es bien comme ton père. Un zéro. Je t'ai dit qu'il y aurait les flics pour les loyers. Je te l'ai dit. Et tu verras. C'est juste un petit jeu. Il y a envie de jouer qui tout drôle. C'est comme tu veux. Alors, vas-y. Il faut la mettre 5 fois de suite dans le panier. Ça y est, on a 3. Raté. À toi, Duke. Prends la balle. À toi de jouer. Montre ce que tu sais faire. Tu y es presque. Et voilà. C'est bien, Duke. Tu rejoues? Comme l'autre fois. Si tu veux. D'accord, Duke, tu commences. C'est toi le meilleur. C'est bien. Encore un étudier. Et voilà, c'est bien, Duke. Encore une fois, il a gagné. Et allez, boule. C'est bien ça. Qui te double? Oui, mais c'est la dernière. Hein. Tu me nettoies jusqu'à l'os. Ne pleure pas, je suis sûr que tu vas gagner. Vas-y, Duke. C'est bien. Encore 3. C'est raté, Duke. Allez, vas-y, à toi de jouer. T'en fais pas, Duke, calme-toi, tu vas te rattraper. T'en fais pas, ce type sait pas tirer. Vas-y. 2, 3, continue, tu vas y arriver, allez!
ici. Non, attends, Mariposa. Non, Rico. Laisse-moi entrer. Tu sais que je ne veux pas te voir ici. Non, arrête, n'y touche pas. Il t'avait dit que je trouverais l'argent. Oh, Rico. Ah, mais pas de sous, d'accord. Où as-tu trouvé cet argent? Tu as dû le voler, hein. Non, non, pas du tout. Touche pas, laisse ça. Ah, il est alors, Mariposa. Tu es une femme merveilleuse. Vous savez qui je suis? Oui. Vous avez l'air plutôt content de vous. Arrogant. Avec une haute opinion de vous-même. En fait, je crois que vous feriez un assez bon champion. Mais j'en suis presque sûr. Si vous vous entraînez bien, je pourrais peut-être vous aider. Yo, manager, parlez-lui. Je l'ai fait. Il a refusé. Essayez de le convaincre. Alors à vous de jouer. Garde un pied sur le tapis. C'est bien, oui, comme ça. Rico, vas-y, place ton gauche. C'est ça, oui. Très bien, oui. Le jeu de jambes, ne l'oublie pas. Oui, c'est mieux. Repris. Bien. Il faut que tu arrives à te déplacer plus rapidement, parce que sinon... Ça ira, ça ira. Allez, va taper le sac de sable. Matt. Oui. Est-ce que toi ou des hommes de combat? Un peu de patience, ça va venir. Il trouve que ça va pas assez vite. Du calme, Rico. Je dirais que tu m'en veux, mais j'y suis pour rien. Frank Ingar est venu te voir. Faut que je te parle de tout ça. J'ai dit à ce type que j'accepterais de signer pour un ou deux combats, mais il veut l'exclusivité. Et je ne signerai pas de contrat d'exclusivité. Rico. Rico. Je t'ai ramassé dans la rue, rappelle-toi. Si je l'avais pas fait, tu serais devenu un voyou. J'ai senti tout de suite que tu serais un bon boxeur. Tu te souviens? Je sais que tu vas devenir un champion. Mais il faut être un peu patient. Ne t'en fais pas, ça va venir, crois-moi. Oui, si je ne meurs pas de vieillesse. Ah, écoute, Rico. Tu sais ce que les marchands de viande comme Yal font des types comme toi? Ils les manipulent, ils les pressent comme des... Je ne me laisserai jamais manipuler. Il faut que ça marche. C'est peut-être une chance. Nat, nous ne pouvons pas la laisser passer. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ce type. J'ai joué pour pouvoir payer mon loyer ce matin. Igal m'a dit que je deviendrais un champion. C'est vrai que tu es un bon manager, mais tu n'as jamais formé des champions. Ça ne t'est jamais arrivé à toi. Je regrette, mais c'est la vérité. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas dormir, hein? Hein? Il faut qu'il parte. J'ai trouvé un endroit. C'est sans doute ta façon de me remercier pour tout ce que j'ai fait pour toi. Oh, Mariposa, arrête un peu. Tu sais très bien qu'il était vrai. Tu feras comme ton père. Tu ne viendras même pas me voir. Demande-leur ce qu'il a fait pour moi. Allez, donne-moi ça. Écoute, je ne suis pas comme mon père. Si tu m'aimais vraiment, tu comprenais qu'il faut que je vive ma vie. Je devrais être contente que l'aîné fiche le camp. Je devrais hurler de joie. C'est ce que tu veux? Ça, c'est bien dans ta tête. Hein? Oui. Qu'est-ce que c'est? Je suis bien chez les Ramirez. Si. Vous devez être Rico, c'est Frank Ingal qui m'envoie. Oh, c'est une rapide, hein? Il a bon goût. Je suis Judy Wellman et puis Phil Riley. Nous aimerions prendre des photos de vous. Bien sûr, entrez.
Vous êtes Madame Ramirez? Oui, je suis Madame Ramirez. Moi, c'est mon frère Roberto et c'est ma soeur Soledad. Tiens-toi bien, de vous déranger. Ça fait rien. Il a dû me dire que vous veniez. Ah, ce serait plus facile si vous aviez le téléphone. Il faudra que je lui parle de ça. Inutile, il déménage. Oh, Rico, ne faites pas ça. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Oh, eh bien, c'est juste que vous êtes portoricain et que votre place est ici parmi les vôtres. Et je pense que ce n'est pas le moment pour vous de quitter votre famille. Tu sais, Mariposa, il faut que je vive ma vie. Il y comprend rien. C'est pour la publicité, pour les relations publiques, si vous préférez. Oh, je n'avais pas vu ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une récompense. Oh, Phil! Oh, est-ce que tu pourrais faire une photo avec tous ces souvenirs? Les souvenirs, c'est à mon père. Hein. C'était un poids moyen, le meilleur de l'État de New York. Oh, j'ignorais que les poids moyens étaient des boxeurs. Oh, arrêtez! Ah, vous êtes doué pour la boxe. Oh, je travaillais pour une agence de publicité. Mon plus gros client vendait de la bière et j'ai augmenté ses ventes. Sans en boire une seule goutte. Maintenant, j'aimerais beaucoup faire une photo de vous tous. Vous pouvez me dire où est le reste de la famille? Le reste de quoi? Elle est ici. Vous êtes sûr? Oui. Excusez-moi. J'ai l'impression que tout ça ne mènera pas bien loin. Nat avait raison. Je crois que tu ferais mieux de laisser tomber, Rico. Tais-toi, Roberto. Je vais dire qui est cette fille. Qu'est-ce qu'elle veut faire ici? Mais laisse t'aider. Elle est bien, c'est une chic fille. Elle te veut du bien, Rico. J'en suis sûre. Elle n'est pas si bien que ça. Oh, toi, tais-toi. Je crois que ça fera très bien. Bon, vous allez tous vous mettre sur la gauche, juste à côté du divan. Allez-y, placez-vous bien, comme je vous l'avais dit. Soledad, ce serait bien si tu te mettais à côté d'eux. Roberto, j'aimerais que tu y ailles aussi. Merci, Madame Ramirez, merci beaucoup. Rico, ce serait bien si tu venais poser à côté de tes frères et sœurs. Ce ne sont pas mes frères et sœurs. C'est sans importance. Allez, viens vite, Rico, dépêche-toi. Allez! Bien, c'est parfait. Oh, il me faut un beau sourire. Voici l'enfant de Porto Rico avec sa petite famille. Le voici avec ses amis du club d'athlétisme. Oh, il me fait penser à ces hommes qui réussissent uniquement à la force du poignet. Oh, Franck, ce garçon est bien l'enfant de son peuple. Il l'admire et il les adore. C'est un symbole vivant. Oui, c'est vrai pour le Sud-Bronx. Mais ça reste limité. Très limité. Non, je ne crois pas. Franck, plus je pense à cette image et plus je la trouve séduisante, quel que soit le milieu auquel on appartienne. Moi, je n'aime pas celle-ci, Hervé. Elle est trop terne. Il faut quelque chose qui te flatte. Tiens, essayez ça. Oh, c'est vraiment de très mauvais goût. Non, non, c'est parfait. Ouais, ça te convient, Rico. Nat, ton avis. C'est pas un problème. Bon, on peut pas l'appeler Rico Ramirez. Hey, c'est pour ta maman. Ce serait bien de lui trouver un nom un peu plus évocateur, je ne sais pas. Il a peut-être un surnom. Oui, mais c'est pas un nom public. J'ai plusieurs idées à vous proposer. Le bourreau du Bronx, le vengeur de... Non, 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 ça ne va pas. C'est un gentil garçon, rien à voir avec un Tiger Maddox. Oh, il faut qu'on trouve. Aidez-moi. Eh ben, pourquoi pas le charmeur? Ma femme dit qu'il est charmant. Regardez ce profil. Hein. Et je suis pas un charmeur. Et on est bon. Je ne marche pas. Je ne veux pas qu'on prenne Rico pour un clown. Bon, ça n'est pas votre affaire. Contentez-vous de l'entraîner. Vous serez bien payé pour ça. On est bon. Et voici l'événement marquant de la soirée. Un match au cours duquel vont s'affronter, dans la catégorie poids moyen, à ma gauche, un jeune boxeur dont on attend beaucoup, Rico Honeyboy Ramirez. Et à ma droite... Nous voici à nouveau réunis à Las Vegas pour un match qui semble prometteur. Wally, nous pensons que notre poulain va faire un malheur, alors on compte sur vous, ne soyez pas trop dur avec lui. Oui, c'est d'accord. Il sent qu'il va le démolir. Excusez-moi. Allez, vas-y, Rico. Oh, il est très rapide. Il frappe comme l'éclair. Ouais, c'est vrai, mais ça veut rien dire. Regarde.
regardez ces uppercuts. Ah, ce sont des crochets. Mais ça n'a pas vraiment d'importance. Newton semble avoir de sérieux problèmes. D'un grand boxeur au début de son très jeune âge. Je me souviens l'avoir vu boxer à New York, mais depuis il a fait des progrès vraiment émouvants. Ah, je te parie que Newton ne va pas tenir, c'est sûr. Il va faire un mal. Tu vas la voir. N'hésite pas, c'est le moment de le finir. Tout seul. Hé, champion, ça sera pas long, ça va être ton tour. Espère pas m'impressionner. Ah, c'est bien, c'est très bien, Rico. Vous avez été superbe. Ah, c'est rien, attendez voir les prochains combats. C'est une belle victoire, les boys. Merci. J'ai envie d'en profiter pour dire bonjour à mes copains du Bronx. Vous pourrez être fiers de vous ce soir. Vous avez offert un magnifique combat. Aïe, c'est à mon père qui y les doigts. C'est lui qui m'a appris à boxer. Il me disait toujours, tu dois y arriver. Fais-le pour ton pote. Tu dois prouver à tes frères que dans ce pays, tout est possible. C'est fait. Voilà une belle leçon de courage. Tu as raison. Oui, c'est vrai. Judy, c'était bien ce qu'il dit au type de la télé? Ce n'était pas trop mal pour un début, mais avec le temps, vous apprendrez qu'il ne faut pas trop en faire. Ça m'amuse de parler d'un micro. Quand vous parliez de votre père, vous mentiez car c'est Nat qui vous a appris à boxer. Nat n'est pas portoricain, ça ne sert pas mon image. J'espère quand même que vous êtes fier de moi. Ce soir, tout le monde est fier de vous. Votre père était boxeur? Ah oui, il était terrible, mais il a rencontré Sugar Robinson trop tôt. Ça lui a démoli la santé. Il en est mort? Désolé. Vous ne pouviez pas savoir. Ça n'a pas dû être facile pour vous. Juste une question. Allez-y. Pourquoi vous n'êtes pas marié? Le mariage ne me tente guère. Vous avez peut-être raison, vous vous imaginez marier un type comme moi. Vous en verriez une belle, hein? J'ai divorcé. Vous voulez dire que le type à qui vous appartenez vous a laissé partir sans rien faire? D'abord, je ne lui appartenais pas. Et ensuite, je suis partie parce que la vie n'était plus possible. Avec moi, pas de problème, hein? Si vous voulez que je sois à vous... Oh, Rico. Du calme, pour moi vous êtes une sorte de produit. Avant je vendais de la bière et maintenant je vends Honey Boy Ramirez. Comment pouvez-vous vendre un produit sans l'avoir goûté? Il me suffit d'avoir des arguments convaincants, je suis assez douée pour ça. J'ai envie de vous faire un cours, un petit cours de boxe. Si vous voulez. Il y a plusieurs coups de poing, c'est très simple. Direct de gauche, crochet gauche, uppercut gauche, direct droite, uppercut au foie, et puis il y a le crochet du droit.
C'est mon coup favori. Il est terrible. Je ne suis pas groggy, Rico. Vous non, mais moi, si. J'ai très envie de vous faire l'amour. Vous avez combattu ce soir. C'est votre première nuit à Las Vegas. Et votre seule idée de me travailler au corps comme vous le faites pour vos adversaires. Hey, Judy. Chambre 108, s'il vous plaît. 112, s'il vous plaît. Merci. On a presque la même chambre. Il ne faut pas exagérer. Vous jouez au craps? Je n'ai jamais su y jouer. Vous voulez que je vous apprenne? Ah, c'est simple. Non, une autre fois. Et ce truc-là, il suffit d'étirer la manette, là. Je regrette, je ne joue jamais. Je déteste perdre. Venez avec moi, vous me regarderez jouer. Non, merci. Mais on pourrait boire un petit verre, ça vous dit? On peut aller dans votre chambre ou encore dans la mienne, hein? C'est presque la même. Je ne veux pas monter avec vous. Bon, ça sera les règles de votre vie. Venez avec moi. D'accord? Tu sais, tu es vraiment très belle. Mm-hmm. Quelle bonne idée que l'on dit en espagnol. Mm-hmm. Tu dois penser que je suis une femme facile, mais je ne suis pas du tout comme ça. Il y a tout pour être heureux ce soir. Il y a ma victoire, toi, et le plaisir de passer la nuit dans un magnifique endroit. Oh, ce n'est qu'une chambre d'hôtel. Ah non, c'est beaucoup plus pour moi. Nat et moi, nous sommes allés une fois dans un hôtel à Brooklyn. C'était moins bien qu'ici. Tu vois? Eh bien, je n'ai jamais vu une aussi belle chambre de toute ma vie. Je crois que vous ne comprenez pas ce que ça représente pour moi. Quand je pense que de la fenêtre de chez moi, on ne voit rien. Tout gauche, j'ai rêvé en regardant les buildings et je rêvais d'y monter un jour et de vider les poches de ces messieurs pour récupérer quelques billets de $1. Il y en a des billets. Hey, on va boire un verre, je te l'ai promis. Ça me ferait très plaisir. Réception. Quand je fais une promesse, je la tiens toujours. Oui, ici la somme 108. Je voudrais une bouteille de champagne. Oui, française. Le meilleur, bien sûr. Et d'autres verres. Et quelque chose à manger. Des beignets au chocolat. D'accord? Merci. Essayez de faire vite, hein. Ah, c'est super. Et Judy, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une erreur. Et pourquoi? Je ne comprends pas. Écoute, tu veux devenir champion du monde. C'est bien ça. C'est ce que tu veux. Et tu vas y arriver. C'est dangereux. Mais pourquoi? Parce que tu ne comprends pas l'effet que ça peut avoir sur une femme comme moi. On ferait mieux d'oublier tout ça. Bonne nuit. Excusez-moi, madame. Bonsoir. Vous avez une minute. Regardez qui j'amène. Emilio Ramirez en personne. C'est étrange. Il a ressuscité, ce doit être un miracle. Je ne veux pas le voir. Attendez, Rico. J'avais presque gobé la petite histoire. Ce combat lui a démoli la santé. J'ai retrouvé quelqu'un qui connaissait bien votre père. Et il m'a dit où il était. Dans un garage à Newark. Ça ne change rien, il ne veut pas le voir. Il faut qu'il parte. Ah, attendez un peu, calmez-vous. Dites-lui de partir. Elle a dit que tu voulais me voir. Je me doutais bien que c'était une blague. Oh, monsieur Ramirez, attendez, ne partez pas. Rico, c'est tout de même votre père. Mais qu'est-ce qu'il veut? De l'argent, c'est ça?
Je n'ai pas besoin de toi. Je m'en tire très bien. Excusez-moi, madame. Oh, monsieur Ramirez, je vous en prie. Écoutez-moi. Cet homme est votre père et votre devoir est de... Il est décédé. Pour moi, il est décédé. Depuis qu'il est parti, il n'a jamais donné signe de vie. Ah oui, mais maintenant, il risque de le faire. On ne sait pas ce qu'il peut raconter. Il peut très bien vous faire du tort. En acceptant de le recevoir, on aurait une chance de le contrôler. Je ne veux pas. On a besoin de lui. Vous devez lui parler. C'est naturel, vous êtes son fils. Il n'y a rien de commun avec mon père. Compris? Ça, ça reste encore à prouver. Si vous continuez à refuser mes conseils, je n'aurai plus de raison de m'occuper de vous. Ramirez est en train de se déchaîner contre Favelli. Crochet au visage, direct à l'estomac, crochet à la mâchoire. Fin du 16e. T'en crois? Il est foutu. Il finirait au prochain round. Ça ne prend pas la peine, il est hors de combat. Il jette l'éponge. Je déclare vainqueur par abandon à l'issue de la 7e reprise, Rico Honeyboy Ramirez. Honeyboy, félicitations. J'étais sûr que l'issue du combat vous serait favorable. Ah, il s'est bien battu. Il était bon, mais je suis le plus fort. Et je salue tous les copains de Glavenou. Et il y a un message pour Tiger Maddox. Je le rencontrerai quand il voudra. Et peut-être pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît. Alors, Honeyboy, comment ça va? Dites-toi, Rico, qui va être votre prochain adversaire? Dites-moi, qui allez-vous rencontrer? Je vous en prie, Honeyboy, il y a besoin de repos. J'arrive, Rico. D'accord, Nat. Je ne veux pas te voir ici. Je ne veux pas te voir autour de moi, d'accord? Rico. Ne rencontre pas Tiger Maddox, t'es pas prêt. Non. Tu sais, ils m'ont fait les coups avec Sugarré. Ils disaient que j'allais l'avoir et je les croyais. T'étais un mauvais boxeur. Peut-être. J'aurais pu devenir beau. C'était possible. Je ne veux pas que ça t'arrive. Tout le monde me donne plein de conseils. Je ne veux pas des tiens. Hein? Écoute, Rico. J'ai besoin de toi une fois. Où étais-tu, hein? Mariposa m'a empêché de venir. J'ai essayé de t'appeler. Ah, si, si, si. Tu es payé ici, n'est-ce pas? On a décidé de te payer. Si. Alors tu dois savoir ce que tu as à faire. Quoi? Ahora callate, hein? Oh, messieurs, s'il vous plaît, je vous en prie, essayez de me faire un petit sourire. Je vous en prie, faites un effort, je voudrais juste un petit sourire. Il faut qu'il sourie aussi. Il faut qu'il commence. Écoutez, c'est important. Faites-le pour moi. Allez. Pour moi. Vainqueur par KO 9e round et Rico Honeyboy Ramirez. Le vainqueur incontesté de ce match par KO 5e round est Rico Honeyboy Ramirez. Les matchs terminés ce soir se terminent par la victoire du champion américain Rico Honeyboy Ramirez. Le vainqueur par abandon au
Mariposa, c'est moi. Mariposa! C'est moi, je suis là! Salut, Mariposa! Oh, retire ça, je veux te voir. Oui, tu es toujours le même. Non, 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 il n'y a pas de nez cassé. Tout va très bien. Personne ne peut me toucher. Oh, Mariposa, tu pleures toujours quand tu devrais sourire. Regarde ce que j'ai pour toi. Tiens, petite sœur, et celui-là, c'est pour le bien. C'est pour merci. Regardez, hein. Ça vous plaît, hein? Tu as pensé à ton père? Non, il lui a rien pris. Oh, tu as dû dépenser une vraie fortune. On ne pense pas à ça. Tu devrais faire attention à l'argent. Mais il y a des gens qui le font pour moi. Il y a un comptable, un avocat et un autre surprise. Venez voir. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Regardez en bas. Oh, elle est vraiment à toi. Oui, restez. On m'emmènera faire un tour. Bien sûr. Eh, Mariposa, c'est juste un début, tu sais. Tu sais pourquoi je suis rentré à New York? Oui, pour me voir et voir ta sœur et ton frère. Mais bien sûr. Non, Mariposa, ne pleure pas. D'accord. Je suis venu pour me battre avec Edith Fitzgerald. Edith Fitzgerald? Si. Magnifique. Oh, Mariposa, t'en fais pas, je l'aurai. J'espère bien. Edith Fitzgerald, mais ça ne va pas. Qu'est-ce qui lui prend? Rico veut Fitzgerald, Franck. C'est pas le petit qui commandera. C'est encore moi le patron et c'est à moi de décider. Vous savez, Rico est devenu un grand boxeur et même s'il perd contre Fitzgerald, il a besoin de ce match. Vous en parlez à votre aise. Vous êtes vraiment stupide. Vous savez combien j'ai investi dans Honey Boy? Je ne pense pas au fric, Franck. Ce qui m'intéresse, c'est réellement d'aider le petit. Je me suis promis que j'allais en faire un champion, alors faites un petit effort et essayez de comprendre. Oh, on ne peut pas parler d'affaires avec vous. Tout le monde m'a dit qu'il fallait se méfier de vous. Je ne veux pas faire d'histoire, mais je vous conseille d'accepter ce combat. Ouais. Fitzgerald a la réputation de ne jamais lâcher sa proie, alors ne le lâche pas. C'est ça, elle continue comme ça, ne le laisse pas venir vers toi. Oui, c'est ça. Ta garde, attention. Sors-toi des cordes, Rico, il ne faut pas te faire coincer. Sors-toi de là, Rico. Pardon les cordes, Rico. C'est comme ça qu'il peut t'avoir. Sors de ces foutues cordes. Allez, fais ce que je dis. C'est bon, prêt. Rico, Fitzgerald aime le corps à corps. Te laisse pas coincer comme ça. Il faut que tu te remues davantage. Tu dois réussir à bouger 10 fois plus. Il essaiera de te coincer, hein. Tu sais ça. C'est... S'il te pousse dans les cordes, il faut que tu t'en sortes. Ce type est valable qu'au corps à corps, tu comprends? Il faut pas que tu te laisses approcher, c'est très simple, si, ne le laisse pas venir près de toi. Attends. Oui, c'est comme ça. Vous l'avez? La voilà. Raison. Oh, magnifique, mettez la voix sur le mandat. D'accord. Merci. Vous la trouvez bien? Oui, super. Oh, tout le monde le verra, ça c'est sûr. Mais Emma, comment tu la trouves? C'est pour une parade de cirque. Non, mais j'avais envie qu'on me remarque. J'aime les couleurs vives, moi. Personne ne te remarquera si tu ne reviens pas tout de suite t'entraîner. Alors retire-moi cette horreur et reviens travailler. Si. Repense à ce que je t'ai dit. Allume-le. Allez-y. Bref, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as tenu à peine 20 secondes. Continuez. On arrête de quoi? Le round n'est pas terminé. Pour moi, si. Il est mal. Il est suivi. C'est comme ça que tu comptes gagner? Hey, c'est pas toi qui as reçu cette praline, alors fiche-moi la paix. Il y a besoin d'air. Compris? Laisse-moi un peu. D'accord? Vous trouvez ça digne d'un champion, hein? Moi, je trouve que c'est minable. Rico, qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas pourquoi il a cogné aussi fort. Vous avez peur? J'aurai la peau d'Eddie Fitzgerald. Il y a un jour qu'elle le battrait. Ouais, c'est ça. Mais Judy, comment ça va? Ça va. On prend un verre? D'accord. Tout l'offre. J'accepte. Vous voulez quoi? Oh, je m'assistais pour moi. Hé, vous deux, venez avec non, nous. Non, pas maintenant, Wally. Hé, hey, Sam, serre mon deux. Alors, comment va le boxeur? Il s'entraîne?
Je me demande parfois s'il va vraiment réussir à devenir champion. C'est pas évident. Ah, ce serait pas le premier qui se casserait les figures. Mais c'est de la bière. Vous m'avez dit de choisir. Honey Boy Ramirez a récemment déclaré qu'il avait besoin de la présence de ses frères du Sud Bronx. Ce soir, ils se sont déplacés en nombre. Vite, maman, dépêche-toi. Roberto, est-ce que tu es sûr qu'on ne se trouve pas d'entrée? Attendez. Ma chaussure. Passez devant, allez-y, je vous rejoins. Ne m'attendez pas, allez-y, je vous suis. Dans les vestiaires. Je tiens à vous rappeler que je veux un combat dans les règles. Serrez-vous la main et rejoignez votre coin. Le combat va commencer. La salle dès le début. Vous savez aussi bien que moi comment ça va finir. Écoutez-le. Coincé!
quoi, Rico? Sors des corps! Reprise et Honey Boy ne semble pas en forme ce soir. Fitzgerald sape sa force avec ses fameux uppercuts au ventre. Respire à fond. C'est ça. Encore une fois, ça va aller. Écoute, Rico, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Ne le laisse pas te coincer. Allonge ta garde et ne le laisse pas approcher. Ne le laisse surtout pas te pousser dans les cordes, t'as compris, hein? Vas-y. Il est peut-être blessé, je ne sais pas. Mais si ça continue, il va perdre ce match. Allez! Allez, Rico, reprends-toi! Serre-toi de ton gauche! D'accord, si, si. Eh, Guiléo, septième, mais toi, il est au premier. Je le sais, je vais te sortir sous clou. Et il a gagné. Si. Ah, et c'est le meilleur, le plus bel, le plus bel. Attends, Rico. Attends. Il est où, là? Je ne sais pas comment il est fait. Ah, ça c'est vrai, il doit y avoir un dieu des boxeurs. Mais on sait qu'il y a trouvé mon style. Ah, ça c'est vite dit, moi j'ai bien cru qu'il allait te démolir. T'as vu que la petite est tombée? Rico, tu as eu beaucoup de chance. Pourquoi? Parce que j'ai pas suivi tes conseils? Ça t'embête de me voir encore? Que tu sais, je ne supporterai pas ça longtemps, hein? Mais je comprends pas ce que... Je ne t'écouterai plus et je vais combattre Tiger Maddox à ma façon. Tu feras comme tu voudras et je te souhaite bonne chance. Hé, hey, attends, Nat. Hé hey. Arrête ça. Fais tout ce que tu veux, mais sans moi. Tout pour aller au diable. Tu
On a fait une bêtise, tu ferais bien de Louis. Il n'y a besoin de personne, tu comprends? Et il n'y a plus besoin de toi non plus. Oui, j'ai très bien compris. Il n'y a besoin de personne. Ça vaut sa peau. Oui, c'était vraiment excitant, enfin ça on peut le dire. Je veux dire, est-ce que vous avez trouvé que c'était un beau combat? Oui. Ah, c'était pas très bon. Je peux faire mieux. Vous avez gagné. Je gagne toujours. Vous tenez à aller chez les Zingales? Oh non, mais je m'y sens obligée. Vous n'avez pas l'air d'avoir très envie d'y aller. J'ai peur de Madame Ingall. Oh, c'est pas exactement le genre de femme que j'aime. Ça ne m'intéresse pas. J'ai pensé que ça vous ferait plus d'effet. Ça vous est égal? Pourquoi me demandez-vous ça? Ben, dites-le-moi. Vous croyez que je me tape toutes les filles qui me courent après, hein? Je n'en sais rien. Je suis pas comme ça. Ah, vraiment? Madame Ingall semble s'intéresser beaucoup à moi. Elle est très douce avec moi. Beaucoup plus douce que dit Fitzgerald, mais je ne la veux pas. J'espère quand même que vous me croyez. Je vous crois. Je vais battre Tiger Maddox. Je veux devenir champion. C'est ça qui m'intéresse. C'est la seule chose qui compte pour moi. Pensez-en ce que vous voudrez. Où est-ce qu'on va? Je veux vous montrer un endroit que j'aime. Un endroit prêt. Vous serez étonné, hein? Regarde un peu qui est à même. Je vous présente Coudy. Salut. Salut, comment tu vas, toi? Salut. Asseyez-vous. Ici. Où êtes-vous, ce Tiger à nous? Ouais. Vous en connaissez beaucoup, comme ça? Je les trouve très drôles. C'est vrai? Ça ne vous surprend pas? C'est vous qui me surprenez. Qu'est-ce que je vous sers? Offrez-leur une tournée. D'accord. Que voulez-vous boire? Champagne? Une bière. Une bière? Je sais que je fais une bêtise. Mais je n'ai pas un seul regret. Quelque chose à l'intérieur de moi me dit de continuer à faire cette bêtise. Il faut trouver un autre entraîneur. M'en voudrait un qui soit célèbre. Ça ferait une excellente publicité. Allons, Yudi, on va tout de même pas se disputer. Bon, d'accord, je n'entends parler plus jamais. Tu fais déjà tellement pour moi. Et c'est grâce à toi si j'ai réussi, hein. En fait, c'est toi les vraies championnes. Je crois que tu as raison. En fait, je devrais me contenter de m'occuper uniquement de tes petites affaires. Oh, voyons, Yudi, calme-toi. Tu ne penses qu'à ta satanée carrière, mais tu te fiches pas mal de moi. Oh, mais du calme, hein? Oh non, je n'ai aucune envie de me calmer. T'en fais pas, tu seras bientôt très célèbre. Mais n'espère pas que je vais te tomber dans les bras. Tu entends?
te sers juste pour ta publicité. C'est tout ce que tu attends de moi. Tu es incapable d'éprouver le moindre sentiment. Mais y en est marre. Tu comprends rien. Tu ne penses qu'à toi. Rico! Oh, c'est très bien. S'il vous plaît, écoutez, quand tout le monde sera sur l'estrade, je veux beaucoup de photos. Débrouillez-vous comme vous voulez, hein, c'est d'accord? Oh, je vois des invités là-bas qui n'ont pas de verre. Allez-y, dépêchez-vous, portez ces coupes. Hé, Judy. Joe, prenez une autre coupe. Oh, merci. Jerry, vous êtes là aussi? Bonjour. Allez voir quelque chose. Pat! J'espère que le mois prochain, vous nous réserverez la couverture de Box Magazine. Ah, c'est d'accord, sans problème. Bien. Oh, Bud, si nous gagnons ce match, vous nous ferez une place dans votre magazine. Que vous ne perdez pas le nord. Je compte sur vous. Et où est Tigor? Mais où est-il? Il va arriver. Ah, j'ai hâte que ce contrat soit signé. Laisse-nous nous occuper de ça, Rico. Frank est tout de même ton manager. Toi, raison, Amos, le plus important, c'est que je puisse lui casser la figure. Et je dis, mais c'est pire qu'une soirée mondaine. Même pas réussi à me faufiler jusqu'au bar. C'est vrai, j'ai invité beaucoup de gens, mais vous savez, il faut que je soigne sa publicité. Mmh, c'est vrai. Oh, j'espère que vous parlerez de nous vous ce soir. Soyez sans crainte. Oh, merci. C'est formidable. Regardez qui est là. Franck, je crois que c'est le moment. On est boy. À vous. Venez. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-il? Mais il va arriver. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux que vous puissiez assister ce soir à la signature du contrat qui va fixer la date et les conditions de la rencontre comptant pour le championnat du monde de boxe entre Rico Honeyboy Ramirez et l'actuel champion lui-même, Tiger Maddox, qui est pour le... Il a peur d'être dans la même pièce que moi. Bonjour, asseyez-vous. Le contrat va être signé. Attendez, j'aimerais éclaircir quelques points. Trois chutes dans un round ne seront pas considérées comme KO. Et on a compris. À chaque chute, le boxeur devra se relever avant que l'arbitre ait compté 10. Il ne faudra pas donner de coup de bas. Eh, vous insinuez qu'il n'y aimait pas loyalement? Allons, du calme, messieurs. Je vous en prie, réservez-vous pour le ring. Tiger, signez le premier. À vous, Rico. Et maintenant, que le meilleur gagne. Tout se passera bien. Bravo, c'était très bien. J'ai fait ce que j'ai pu. Hey, Rico. Ça n'a pas l'air d'aller très fort. Mais si tout est merveilleux. C'était bien, hein? Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Le public adore ces petites disputes. J'ai bien failli te taper dessous. Ouais, je sais, Rico. Ça, c'est du spectacle. Il faudra que tu t'habitues. Et moi, il y a des jours qu'il y aurait ta peau. Il est démoli Eddie Fitzgerald. Il est descendu au septième round. Non, sans blague. Le Camus l'aurait descendu au deuxième. Ah oui? Il ferait mieux de te calmer un peu. Tu sais que j'ai raison. Oh, tais-toi, Pierre. Pense-en ce que tu veux. Mais je te le répète, c'était facile. J'espère. Il y aurait ta peau.
quand je t'aurai démoli, dans les tripes à l'air, tu cracheras tes dents. Tu n'es qu'un amateur. Je vais te calme. Et bon, comment ça va? Tu as vu l'heure qu'il est? Très bien d'aller dormir. Pour une exclusivité, quand il y aurait écrasé madame, je me rebattrai contre Fitzgerald. Je crois que ça sera bon pour ma publicité. Ah, tu ne lis pas mes articles? Eddie Surtier. Retiré? Pourquoi? Il était pas fini? Non, mais il a préféré ouvrir une boîte de nuit. Ah oui, yes, il a ouvert une boîte de nuit. Ouais, et ça fait restaurant. Bon, c'est très classe. Ingall l'a aidé. Ingall? Oui, oui, c'est ce qu'on dit. Eddie n'a pas besoin de fric. Il paraît qu'il a ramassé un paquet juste après le match. C'est ce qu'on dit. Toi, des preuves? Aucune preuve. Aucun témoin. On ne saura jamais la vérité. Champion, je vais t'apprendre quelque chose. Tu sais que les boucs prennent des paris sur toi à 5 contre. Alors on a décidé de mettre tout le fric qu'on pourrait ramasser. Tout le monde est avec toi. Tout le monde est avec toi. Les putes, les macs, les junkies, les revendeurs. Tout le monde est certain que tu vas devenir le champion du monde. Ouais. Où sont les copains de la lune? Mais vous êtes malade ou quoi? Hein? Rico, où étais-tu? On m'a dit que tu étais chez Pépé. Ça fait 3 jours qu'on ne cherche partout. Il fallait prévenir. Ingall était fou d'inquiétude. Tu aurais quand même pu avertir Judy. Elle est venue 3 fois ici pour te chercher. Il y avait besoin de prendre l'air. Quoi? Il ignorait que Fitzgerald avait été payé pour perdre le match. Oh. Ne faites pas cette tête-là. Je suis sûr que vous le saviez. Je n'en savais rien. Et même si je l'avais su, je ne vous aurais rien dit. Et moi qui croyais avoir une image des marques. L'enfant du peuple. On est voy. Et bidon. Vous m'avez assez dit que vous vouliez réussir à tout prix. La réussite se paie très cher. Arrêtez de vous en prendre aux autres. La seule personne à blâmer, c'est vous-même. J'ai seulement essayé de vous aider du mieux que j'ai pu. Rico, c'est de votre faute. C'est vous qui l'avez voulu. Ce qui vous intéressait, c'était que je vende Neboy, que je le vende plus vite, plus cher et à n'importe qui. Vous vouliez être champion, il n'y avait que ça qui comptait pour vous. Oh, vous me l'avez assez dit. Eh bien maintenant, ça y est, vous avez ce que vous vouliez. La réussite arrive enfin. Mais vous pleurez parce que ça fait mal. C'est le moment de comprendre pourquoi on vous paie. Et c'est juste pour montrer votre belle petite gueule une fois de temps en temps, mon cher Neboy. Oh. Rico! Laisse tomber maintenant, ça n'aura servi à rien. Rico, comment veux-tu que je fasse de toi un boxeur en moins de 6 mois? Je ne peux compter que sur toi, Nat. Tu es le seul qui peut me donner un coup de main. Regarde-toi, Rico. Tu ne t'es plus entraîné une seule fois sérieusement en 6 semaines. Je sais que tu peux me tirer d'affaire. Non, plus maintenant. Pourquoi? Il faut que tu comprennes. Tu dois te débrouiller seul. Je sais que c'est dur. Mais c'est comme ça.
faut qu'il te parle. Écoute, il vaut mieux que tu partes. Tu portes ma chemise. Je n'avais rien d'autre à me mettre. Bon, d'accord. Je t'écoute. Regarde comme il se déplace. Regarde-le bien. Tu as vu ça? Tiens, tout là. Regarde bien. Tu as vu ce crochet du gauche? Attends un peu. Je vais te le montrer encore. Regarde. Non, non, ne mangez pas de pain. Regarde ça. Ça, c'est ce qu'il attend que tu fasses. Il adore les crochets. Si. Regarde. Quand il laisse tomber son bras gauche, tu peux l'avoir avec un direct. Si. Respire bien à fond. Crie en expirant. Ah, ça sera plus facile. Ça? C'est ça. Tu vas les démolir. Personne jusqu'ici n'a réussi à utiliser son point faible. Mais toi, tu vas y aller. Bah, j'en suis sûr. On m'a transmis tous les messages que vous avez laissés chez nous. Je pensais que je pouvais peut-être vous être utile. Je peux? Qu'y a-t-il? Je voudrais qu'on reporte ce match. Oh, c'était ça. Hein, vous savez combien d'argent il a engagé? Combien on va lui donner pour la retransmission du match? Franck ne marchera jamais. Il pourrait me faire une faveur. Pourquoi avez-vous insisté pour rencontrer Fitzgerald si tôt? Franck ne voulait pas. Vous avez gagné. Je ne veux pas qu'on me prenne pour un minable. Je veux être un champion. Franck dit que tout peut arriver sur le ring. Oui, mais Franck, c'est que je ne suis pas prêt pour ces matchs. Et vous le savez aussi. Attendez. Il
faut que je rencontre Frank. Vous êtes si charmant, si impétueux, si vainqueur. Je l'ai dit à Frank la première fois que je vous ai vu. J'ajoute que je vous trouve très séduisant. Vous me plaisez. Je pourrais peut-être faire quelque chose. Hein? Frank m'accorde toujours ce que je lui demande. Je pourrais peut-être essayer de lui parler de ça. C'est vrai. Si on marchait, tout se paie, n'est-ce pas? Non, pas tout, Rico. Non, Rico. Écoutez, Arline. Je suis peut-être pas mon boxeur. Je serai peut-être jamais un champion du monde. Mais j'y arriverai pas comme ça. Ça, jamais. On est bon, il m'appartient à personne. Il n'appartient qu'à moi. Juste à moi. À moi. Rico, vous ne serez jamais champion. Dites à Franck que je serai prêt. Et qui sait, tout peut arriver sur le ring. Nous allons assister maintenant à la pesée des deux boxeurs qui vont disputer ce soir le championnat du monde dans la catégorie poids moyen. Honey Boy vient d'arriver avec son père. Hé, Honey Boy, pourquoi avez-vous changé de manager? Hé, Honey Boy, Tiger Man, vous n'aviez pas une chance. Il est persuadé qu'il ira vous écraser. Honey Boy, il paraît que Frank Ingall a rompu votre contrat. Qu'en est-il exactement? Ingall croit peut-être que vous allez perdre ce match. Vous vous êtes assez entraîné, Honey Boy. Tiger Man, ça a déclaré qu'il vous brattait en 5 rounds. Qu'est-ce qu'il en est? Honey Boy, Tiger Man, je prétends que vous n'êtes pas un vrai boxeur. C'est très simple. Non. 79 kilos, 300. Tiger Man, c'est un drôle fort. Tiger, quelles sont vos impressions? Jusqu'à maintenant, Honey Boy n'a jamais vraiment boxé. Ce soir, il affronte le tigre. Je vais le dévorer. Vous avez entendu, Honey Boy? Que pensez-vous de ça? Fin d'interview, je vous prie. 78 kilos, 350. Et les regards de Sourdou Banco. Reste bien concentré. Allez. Tu vas perdre. Ouais. C'est bien. T'es un mauvais. Il va t'écraser. Rico, mais là. Rico, t'es en forme. On est venu, Rico. T'en dis pas, on sait que tu vas le buter. C'est toi le meilleur. Hé, hey, Rico, t'en fais pas, ça va marcher. D'accueillir parmi nous l'un des plus formidables représentants de toute l'histoire de la boxe. Un homme dont je ne rappellerai pas les exploits. Un homme qui fut 3 fois champion du monde. Un homme dont la renommée n'est plus à faire. Ray Sugar Robinson.
souhaite bonne chance. Merci. Émile, je suis content de te revoir. Moi aussi. Ça va marcher. Je l'ai bien préparé. Oui, oui. T'en fais pas. Et merci. Merci, Sylvain. Tu es prêt? Bon. Mesdames et messieurs, voici le moment que vous attendez tous. 15 rounds à l'issue desquels le vainqueur sera déclaré champion du monde dans la catégorie poids moyen. À ma droite, un homme que vous connaissez tous, originaire du Bronx dans l'État de New York, un homme qui n'a accumulé que des victoires au cours de ces derniers mois. Voici Rico, Honey Boy Ramirez. À ma gauche, un homme qu'il est inutile de vous présenter, un homme qui met en jeu son titre de champion du monde, Tommy Tiger Maddox. La rencontre sera arbitrée par Terry Krause. Vous devrez respecter les règles en vigueur dans l'état du Nevada. Si l'un de vous tombe à terre, l'autre doit immédiatement s'éloigner et aller se placer à l'opposé. Serrez-vous la main, le combat commencera au son de la cloche. Semble s'être bien préparé. Il est en pleine forme, il n'a pas reçu encore un seul coup. Il se déplace tellement vite que Maddox n'arrive pas à le frapper. J'ai l'impression que ce n'est pas le même boxeur qui a failli perdre devant Eddie Fitzgerald. Continue de te déplacer comme je t'ai appris. Ça va marcher. Tu es bien parti, hein? Oui, c'est ça! L'événement de la soirée. On est bon.
va y arriver. N'hésite pas à balance-lui un crochet du droit. D'accord, bon, j'ai compris. Fais comme ça. Tu vas la voir. Il a compris les trucs. Il faut que tu esquives sa droite. Tu vas la voir. Tape sur l'arcade. Finis-la. Sa droite. C'est démoli. Je crois qu'il y a continué. Il y a une voix plus claire. Rigaud, écoute-moi. Laissez-moi voir. Assez proche. Docteur. Oh, ça va mal. L'arbitre vient d'appeler le docteur pour qu'il vienne examiner les blessures d'Holly Boy. Aidez-moi, il faut qu'il y ait puisse continuer. Rigaud, il faut abandonner. Combien de doigts voyez-vous? Deux. Quatre. D'accord, il continue. Six, sept, huit, neuf,
les reins. Ça va? Allez, revenez. Attends, il avait jeté l'éponge, tu peux pas continuer, c'est pas possible. Non, non. Écoute, écoute, il faut réussir à esquiver, c'est tout. Oui, Nat, il comprend. C'est exactement la même chose que pour Fitzgerald. Allez-y. Il fait ce que je te dis. Honey Boy reçoit ce soir une sévère punition. Tu ne fais pas ce que je t'ai dit. Si tu réussis à te déplacer plus rapidement et esquiver ces coups, tu es sauvé. Ça doit marcher. Tu peux l'avoir. Qui est dévolé, Nat? Oui, je sais que tu peux le faire. C'est toi qui es le champion. Deuxième round dans 10 secondes. Dernier round, serrez-vous la main. Thank you.
pas être beau à voir, hein.